Salut à tous, c'est Jérick. Aujourd'hui, on se retrouve avec Pokiz. Salut tout le monde. Donc, pour la nouvelle aventure. La nouvelle T'allais dire de nouveau la suite. C'est une habitude compulsive. C'est vrai. Donc, tout à fait. Que joues-tu? Moi, je joue. Alors, on a décidé de s'orienter plutôt vers l'Inde. Enfin, en tout cas le bassin asiatique, quoi. Un peu plus calme, un peu plus zen, un peu plus. Et moi, je suis le haricot. Voilà, donc lui, il est ça. C'est ça, hein, t'es le sort d'éléphant. Hein. Oui, l'éléphant, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Oui, oui. Haricot. Conqueror Nan. Alors, Voilà, donc lui, il est là et il va essayer de drainer mon commerce et il va essayer de m'attaquer. Donc, voilà. N'hésitez pas à le dénoncer publiquement dans les commentaires. Bah, sachant que c'était mon but dans la dernière série, il faut bien que je rattrape la chose. Mais maintenant, je suis à découvert. Oui, il s'est dévoilé. Mais je crois que c'était tes abonnés qui voulaient ta mort, je dis ça. Oui, bah, ils veulent tous ma mort. Ils ont un malin plaisir à avoir la mort. Enfin bref. Je vais prendre Shiva, parce que je vais commencer à faire des conquêtes dès le début. Donc je vais prendre Shiva. Mm-hmm. Ensuite, je vais... conclure une alliance avec Cochin. As-tu vraiment tryhard toutes les mécaniques de Art of War? Ah non, pas du tout. Alors là. Ok, j'ai un avantage. Toutes les mécaniques, non. J'ai déjà joué, oui. Mais non. Connais-tu les capacités de tes vassaux? Ce serait déjà un bon début. Les vassaux, oui, je sais comment on les gère et tout. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que je peux mettre Vijayanagar? Non, je peux pas te désigner en tant que rival. Je vais offrir une alliance avec Cochin. Alors, on va prendre un type que je suis sur le point d'attaquer, Lana. Je vais. Je vais prendre National. Mer. Morale des flottes, puissance d'espionnage, meilleure relation, efficacité commerciale. Ça, c'est sûr que c'est efficacité commerciale. Je peux désigner en tant que rival Bengal, ça t'intéresse? Si tu voudrais que l'on fasse une petite attaque sur lui, comme ça. Où ça? Bengal? Ah non, ça m'intéresse pas du tout là pour l'instant. Alors loin de là. C'est vrai qu'il veut pas s'étendre près de moi, il a peur. Bengal, non, ça m'intéresse pas du tout. Beaucoup trop loin, je peux pas y accéder déjà. Puis il pourra m'être utile après contre Rissa plus tard. Quel est ton revenu? Une certaine somme. Bon, ok, je vais le calculer, c'est comme tu veux. Ok. 5 plus 6 plus 3, ça fait 11, ça fait 14. Mais faut prendre en compte. Ah, mais je suis pas du tout du même tech group que toi, donc je peux pas. Je suis. Ah ouais, 60% toi, vas-y, purée, je suis sûr que toi tu payes beaucoup moins que moi. Diplomatie, on va regarder les Girac. Alors, des rivaux. Déjà, je vais mettre Coucherat, ça c'est sûr. Ah, Bamani, ça c'est sûr. Combien de pourcents plus cher tu. Te coûte tes technologies, ça au moins tu peux me le dire. Ça, c'est 50%. Ah, donc t'as seulement 10% de moins que moi. C'est 50%. Oui, 50% du coût habituel, ouais. Ce qui est assez dur quand même à gérer. Surtout que là, d'habitude, quand je joue, en fait, je joue tout avec un Omanais et l'Omanais en général il s'oxyde rapidement donc. Après je lui vends une terre à moi et je m'oxyde sur lui et puis après voilà. Je n'ai aucune revendication sur aucun pays, ça risque de prendre du temps. Ah non, attendez, je peux faire ça, Conquer Nan. Une barque. On va protéger mon commerce en vacances à protéger à partir de Bengal. Voilà. On va faire ça, je peux embaucher. Hop. Oui. Ah, j'ai un super. Ouh, ça fait mal. Et j'ai pas beaucoup de sous. J'ai quoi là? Qu'est-ce que j'ai là comme troupe? Le Girac a quand même un bien meilleur dirigeant que moi. Ouais. Mais le prochain est nul. Oh, j'ai un très très bon dirigeant là. Moi, le prochain, comment est-ce qu'il est? Et même mon héritier est très bon aussi. Non, il est nul. 2-2-1, ça va. Non, il est nul. Là, j'ai 3-3-4. Mariez-vous avec moi. J'ai eu pire que 2-2-1, ça c'est sûr. Notamment ton 0-0-0 avec l'Espagne était magique. Ouais, j'aurais pas eu de chance hein, sur cette série. Bon, je joue mal, ça j'avoue. Mais quand même, il y a un minimum. Donc tu ne sais pas ce qui est OP sur la dernière mise à jour.
Ah non, très sincèrement, enfin, j'ai joué mon pays, je sais comment m'étendre, je connaissais les mécanismes avant et après, enfin, en tout cas, et maintenant. Donc... Excellent. Est-ce que j'ai mis le chrono? Purée, j'ai mémoire de poisson rouge, oui. C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on part focus sur le militaire pour s'étendre le plus vite possible? On va laisser comme ça pour le moment. Tu peux lancer si tu veux. Ok, ben je. Voilà. On va mettre en deux. Alors, j'ai des alliances. Rachure, oui. On prend un Cassius Belli pour commencer à attaquer Bamani. On va voir Malabar, on va lui faire coucou. Tu veux. Pas du Oui, tout. c'est ça. Est-ce que toi tu me serais utile? Vas-y, tu me serais utile pour l'invasion contre les Girac. Rage royale de Dive Ziet, bien sûr. Ok, il a dit ouais, qu'il voulait vraiment m'attaquer, donc Mais je suis déçu. Je reste tout de même très déçu. N'hésitez pas à me donner des conseils en message privé pour pas qu'il le sache. Parce qu'il va aller regarder les commentaires, je sais. Bah oui. C'est une petite taupe. Faut bien. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, des mails, vous avez mon mail. On va tout exploiter, on va exploiter toutes ces petites... on va dire, un objectif. Comment c'est un objectif? Non, tais-toi un peu. Bon, pas grave, je pourrais donner ce siège au pire à l'autre. Ah, non. Est-ce que là je peux... Non, pourquoi est-ce que je peux pas? Alors, oui, donc sur Art of War, il y a pas mal de concepts assez intéressants qui ont été introduits. Alors, attends. Ouh. La culture qui change. Spreading culture. Oui, donc on a mis ce mode-là aussi. Bah, je vous mettrai la liste des modes à peu près qu'on a mis. Voilà, pour l'instant, on a mis que deux. On a mis celui qui a les polices qui changent et celui qui étend la culture tout seul. Qui m'est fortement utile parce que en Inde, la culture, c'est un peu casse-bonbon. C'est coton, comme on dit. Et puis, voilà. C'est tout, c'est tout. Ouais. Moi je reste concentré parce que je sais pas, je me suis mis à dos qui toi? Pourquoi t'as fait d'un détour par là? Je me suis mis à dos t'es qui toi? Mang Yang. C'est dans une zone qui est pas facile parce que c'est déjà très. Non, 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 elle est très facile, je suis là. Alors toi tu me détestes, excellent, je pourrais t'attaquer tout de suite. Bon, faut que je fasse copain copain avec Ming. Ming, on s'aime, on est d'accord. Même si vous ne servez à rien dès le début, on s'aime. Je vais juste. Hop, voilà. Alors est-ce que Baben. Est-ce qu'ils ont des alliances? Ouais, ils sont allés au Bengale. Ming qui dans ce... C'est un petit peu comme la Russie. Ming dans ce nouveau patch, nouveau DLC. Est complètement broken, hein. Ça ne sert à rien de la jouer. Toutes les provinces de Ming ont 50% d'autonomie, ce qui la rend complètement dégueulasse. Voir les Girac de son côté. Côté, c'est assez stable. Je suis en train de voir un peu l'économie. Alors, qui sont tes alliances? Qui sont... Ah, pourquoi tu t'es allié à eux? Parce que j'ai envie de les annexer. Mais tu les annexes par la force, c'est comme ça que ça marche. Non. Non, non, non. Je sais ce que je fais. Moi, je me serais allié à Orisa, tout de même. Ah À non. moins que ce sont tes rivaux à tout prix. C'est mes rivaux à tout prix. Ah ouais. Ah, ils te détestent. Ouais, je les déteste. Je peux pas les voir, je peux pas les piffer. C'est qui lui? Ça c'est Cochin. Ouais, bah, Cochin, on va arrêter ça. Hop. Merci. On va protéger nos arrières. Bamanis qui eux se sont alliés au Bengale, Orisa qui se sont... Ah, t'es pas dans la meilleure des positions. Si, je suis dans une très bonne position.
Les Girac, l'expert depuis 1832 de l'Inde. Ah oui, non, non, j'ai joué, mais à sous toutes ses formes. Hein. Je connais bien. Ah, moi j'ai quand même un très bon leader en termes de siège. Oh non, pourquoi j'ai fait ça? Bon, Ah non, mon leader aussi, il est génial. Hein. Il a 2, 4, 0, 0. ah, mais le plus important dans cette mise à jour, c'est le choc, comme d'habitude. La manœuvre et énormément le siège. Ouais, le siège. Que nenni! Que nenni! Quoi que j'en ai un autre. Ouais, mais c'est que du. Ouais, il a zéro de choc, donc ça sert à rien. Alors ça sera pour moi et ça sera pour mes petits vassaux. Tu t'appelles comment toi? Soukou. Ok, je peux même pas essayer de vous prononcer vos noms. Soukoutaï. Voilà, ça c'est à toi, ça c'est à moi, et ça va être à personne. Ah là 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 là. Ah mais je vais refaire full annexion. Et donner ensuite à l'autre. Oh mais tout le monde va me détester, c'est pas marrant. Alors, petite nouveauté assez intéressante, c'est que maintenant il y a un passage entre Ceylan et Oui. Madurai, donc c'est un petit plus à ne pas négliger. Surtout qu'avant Ceylan, au bout d'un moment, ils piochaient un très très bon leader. J'avais une fois joué Vijayanaga et ils avaient pioché un 6-6-4. Alors bon, pour essayer de les attaquer, même avec 20 000 hommes, faut y aller quoi. Ah. Est-ce que je peux vous donner du coup des provinces? Ah non, je vais aller jusque là-bas. Mes petits alliés s'en occupent, ils sont géniaux. Est-ce que je peux négocier avec l'ANA? Est-ce que je peux vous foutre dehors, vous? Si je vous concède la défaite, même pas, vous allez pleurer. Les objectifs ne marchent pas, j'arrive pas à cliquer. Je peux pas définir d'objectif pour mes vassaux. Tant pis. Tant pis, je peux toujours leur donner les provinces moi-même. J'ai pas de vassaux encore. Attends, je sais pas, c'est pour. S'ils savaient seulement ce qu'ils attendaient. Des petits alliés. Oh, mais il me reste plus qu'à attendre en fait. Je vais faire des bateaux. Barque. On va réduire la maintenance. Combien? 3, ok, c'est cool. 3, 4, 2, 2, ok. C'est quand même impressionnant le nombre de provinces qui ont été rajoutées en Inde depuis la dernière mise à jour. Ah ouais. Ah, par contre, ils valent rien du tout. Hein. Voilà. Voilà. Tu peux pas déclarer la paix. Je Ah, peux des même pas. effectifs supplémentaires. C'est pas mal. Ah, j'ai oublié de protéger le nœud commercial. Est-ce que je peux envoyer des pirates chez les Girac? Ah non. Voilà. Alors moi j'étais en pleine réflexion spirituelle avec moi-même. Tout, 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 tout. Et tout de plus. Et deux. Mes vassaux se tournent les pouces alors qu'ils peuvent monter là en haut. Ah non, on ne peut même pas, ok. Combien est-ce que j'ai de monsieur comme vous? Un et un, ok.
Je vais protéger le nœud aussi. Qui compte tu attaques en premier, les Girac? Secret, secret. C'est pas Manis. Pas forcément. T'es en train de créer des revendications sur eux. Non. Reishur Doab. Tu n'as pas de base cette revendication. Si. Tant que ça, est-ce que t'as déjà core tes deux provinces sur la gauche? Pas encore. Donc je peux soutenir les rebelles. Ce sera pas nécessaire. Non, on joue doucement, on a dit. Oh, il pourrait se révolter. Plus t'es déjà en guerre, toi, non? Oui, oui. Mais j'ai déjà gagné. En fait, j'attends juste que les messieurs là en haut, ils prennent la capitale. Je les laisse faire tout le travail. Oui. Très, très bonne idée, je trouve. Moi, je retourne d'alliés puissants. Pour l'instant. J'ai déjà des alliés très puissants, si tu regardes chez moi. J'ai les plus puissants d'ailleurs de la côte. Côte. De la côte. Ouais, Daiviet, ouais. Ouais, c'est bien à jouer Daiviet aussi. J'ai déjà joué Ayutthaya, c'est quand, en mois de juillet. Je vais pas mal changer, mais je sais qu'il reste pas mal. Bon, est-ce que vous voulez enfin partir, vous? Est-ce que vous m'énervez? Ah, genre, vous acceptez même de me donner de l'argent? Cool. Go, au revoir. Et donc maintenant, je peux négocier avec vous. Genre, je peux pas vous donner. Genre, est-ce que je peux faire ça? On va calculer. Bon, après c'est ce que du calcul. Ouais, les gens autour de moi, ils me détesteraient. Vijayanagar, est-ce que Vijayanagar me détesterait aussi, de moins 1. Donc on va tout simplement faire ça. Sukutoro. Voilà. Donc tu vas donner ça à mon vassal. Tu vas annuler tous tes traités. Tu vas me faire des réparations de guerre. Et c'est tout. Give up all claim. Excellent. Et les gens me détesteraient même pas plus que ça. Ok, à la prochaine. Et hop là, deux provinces de plus. Et mes petits vassaux s'occupent de tout. On va créer un modèle. Ah, on peut créer des modèles aussi, c'est nouveau. Oui, ça c'est... C'est génial. C'est la bénédiction. Quand... Surtout quand moi j'ai failli faire ma conquête du monde avec les Ottomans. Oh, maintenant j'ai un 6 de 2 qui va gouverner. Est-ce que je peux... Ouais, ça me coûte seulement 44. 46. Tu vas te mettre là. L'homme avec qui je viens tout juste de prendre... À qui je viens tout juste de prendre deux provinces serait prêt à s'allier à moi. Il est fou. Je pense qu'il sait que son heure est... Et proche. Qui est-ce que je pourrais remettre en tant que rival? Ils sont où les messieurs? Bon, je vais prendre... Champa. Non, Malaka. Dommage qu'on peut pas ordonner, ils ont mis beaucoup de pouvoir aux vassaux. Mais ils ont aussi grandement diminué, alors qu'ils auraient pu en rajouter, par exemple, le fait de pouvoir ordonner à ses vassaux de créer des revendications sur certains territoires. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Oh non, pourquoi est-ce que vous faites ça? Moins 2 de stabilité. Je suis très mal. Oups. Je suis obligé.
Voilà, le commerce, c'est fructueux. On va aller voir eux. Ah, du coup, j'ai perdu mon leader. Non. Et bien sûr, il est complètement à chier. Je déteste ce jeu. J'ai des revendications sur vous. Est-ce que vous me détestez énormément? Non, pas tant que ça. On aura juste quelques modes à installer les Gyraxis la prochaine séance. C'est des modes d'ajustement. Ok. Pour rendre le jeu plus équilibré. Allez, allez. Là, je me focus sur la projection de puissance. Je vais rembourser mes emprunts. Ouais. Je suis riche. Pourquoi as-tu pris des emprunts? Pour pouvoir faire des armées. Mais t'as un très bon income normalement. J'avais besoin d'armées rapidement. Mais je viens de les rembourser, donc tout va bien. Oui. Voilà, c'est bon, j'ai une armée assez pour attaquer. 3 et 3 plus 2. 8. 8 et 15. Ouais, c'est bon. J'attends que mes effectifs remontent et on pourra y aller. Avec des bateaux qui arrivent. Qui vas-tu attaquer en premier? Orisa, sur qui tu as des revendications, des reconquêtes? Bon, honnêtement, je te conseillerais ça, parce que tu payes pas. Orissa est pas mal parce qu'ils ont. C'est vraiment des zones très. Enfin, centre de commerce important. Non mais même pas. Toutes les Ah si. provinces, la Costa et oula, j'ai tourné la tête de Tondé Nadou. Si tu les attaques et que tu les prends, ils te coûtent rien du tout. T'es pas obligé de Ouais, les c'est pour payer. ça. Et tu as des revendications pour toujours, je suppose. 11 vente 1594. À partir de là, tu pourras plus les revendiquer. Ok, bon, Ce qui est bien, après. c'est qu'ils sont allés avec Cochin. Plus je donne même des conseils, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont allés avec Cochin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. J'ai toutes tes revendications sur toi. Marque à second special interest, ok. Et ce qu'il faut que je sais que je. Je m'occupe de Malabar. Oh là là, il y a des gens qui font des travaux à côté de chez moi. Ouais, c'est pas grave. Ça fait un peu plus d'un mois que ça dure. Moi aussi, j'ai un voisin. Je crois qu'il est en train de construire un bunker où il se prépare à quelque chose, je ne sais pas. La Troisième Guerre mondiale, C'est possible. Je lui demanderai la prochaine fois. J'en suis venu même au point de lui demander mon aide s'il voulait pour construire ses meubles ou je ne sais trop qu'est-ce qu'il construit. Il m'a dit non, c'est bon. Je lui ai dit on dirait pas. Venez là, mes petits bateaux. Venez Oh, rentrer à piètre nous. récolte. Ah. Take. Oh, mais on est vraiment en train de me demander de conquérir le monde entier. Ayustaya. Quoi? T'as le jeu en anglais? Oui. Avec les modes avec lesquels je joue, tu es obligé. C'est des modes purement d'interface, donc tu es généralement obligé d'avoir le jeu en anglais. On va aller là. Parce que j'ai entendu dernièrement, mes modes sont compatibles maintenant en français. Siam. Je vais faire la guerre. Incorporate. Sukutai. Est-ce que je peux déjà vous annexer? Si je peux vous annexer, c'est. Non, quand est-ce que je peux? En 1430. Ah, ok, donc ça fait 10 ans. Je devrais pouvoir vous annexer. Ah, mais vous m'aimez pas. Pourquoi est-ce que vous m'aimez pas? Bande de méchants. Oh, mes ennemis jurés ont des problèmes de révolte. Oh, ça sent. Bon, bah, je vais encourager les rebelles. Comme ça, s'ils créent un pays, ils seront automatiquement à moi.
Non, 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 vous tuez pas les rebelles, oh. Ah, c'est fini. C'est intéressant. Ah là là là. En jouant vitesse 3, j'ai même pas remarqué. Oui, ça va vite, hein. Je joue beaucoup moins vite. Je préfère prendre mon temps. On joue à ça. Et c'est bon, là, je suis prêt pour faire la guerre. Est-ce qu'Orissa est dans une mauvaise posture? Oui, en plus, ils sont eux-mêmes en guerre contre Bamani et Bengale. Ça m'arrange. C'est ça que j'aimerais bien récupérer. Ouais, on va faire ça. Bon, c'est pas grave, on se voit dans le prochain épisode. Je sais pas quelle heure il est. Ouais. Donc, bah écoutez, à la prochaine. Hein. On espère tout de même que la série, cette nouvelle série va vous plaire, Ouais, parce remplie de que coups tordus. je suis pas Quoique. trop ouais, de coup tordu ou pas. Non, pas avant le cinquième épisode. Je me suis dit que c'est un objectif. Hein. Ouais, je vais préparer jusqu'au cinquième épisode. Je vais Le faire un temps jeu. que je prenne les trois quarts de Ming. Qui ne va d'ailleurs pas tarder à imploser. Hein. Ce n'est qu'une question de temps. Je vous propose de mettre pause parce que j'ai eu un event, que je vais prendre une décision. Oh, merci. Tous mes voisins ont une opinion de plus 60 sur moi. C'est cool. Oula, désolé. Mais arrêtez de vouloir tous vous marier à moi. Hop. Donc, comme d'habitude, on espère que cette série vous a plu. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Légirac. Je suppose l'inverse aussi, Légirac. Oui, l'inverse aussi, si vous voulez. Voilà. Bande de traîtres. Ne le soutenez pas. Donne-moi des conseils, surtout tu Non, sais que je c'est regardais moi. tes vidéos. Je regardais tes vidéos là pour connaître un petit peu où est-ce que tu en es, Non. qu'est-ce que tu vas attaquer, quelle Non. est ta stratégie. Non, surtout si vous me dites une stratégie, vous me l'envoyez par mail. Voilà. Si vous l'envoyez par mail, après je pourrais vous dire quelque chose de croustillant sur ma vie. C'est le mec. La prostitution pour pas avoir de conseils. Bon, alors Donc, écoutez, à la prochaine. On arrête la à la prochaine. discussion avant que ça Allez. aille trop loin. Ciao tout le monde. Ciao!